Bonjour à tous, c'est Maverick, bienvenue sur la chaîne Mav Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Banished. On s'était laissé la dernière fois justement sur l'hôtel de ville où c'est que nous avions des nomades qui arrivaient. Comme j'avais dit, je sais pas si j'avais assez de place pour tous les accueillir, mais je me suis rappelé, il me semble, que l'on avait fait ici la pension de famille. Donc on peut-être les accepter. Il va falloir qu'on fasse gaffe à la bouffe parce qu'on commence à être juste en bouffe, il me semble. Ça faisait déjà deux saisons, je crois, qu'on était dans le négatif. Produit 11 000, consommé 15 000. Donc on était en perte de 4 000. Et ici, c'est pareil. Hein, on commence un peu dans le négatif. Eh bien, écoutez, on va les accepter. On est des fous. Alors, je voulais commencer à établir ici une nouvelle ville. J'avais fait des maisons en pierre. Ici, désolé, j'ai le hockey. On va peut-être installer un marché ici. Se faire un petit centre-ville avec d'autres choses à faire ici. Du coup, on se retrouve là, on est large. On avait des constructions en cours. Alors, ici, c'est un dépôt de bois que j'avais fait. Ok. C'était quoi les constructions en cours? Alors, j'ai pas regardé mon épisode précédent. Ici, en bouffe... on peut mettre, ça fait loin le trajet, hop, on va se mettre un chemin comme ça. Il faudrait qu'ils aillent jusque là en fait. Ça fait, est-ce que ça fait loin ou pas? Parce que va falloir qu'ils fassent des allers-retours, mais c'est pas grave. Donc on va mettre nos pêcheurs, 4. On a la place pour en mettre. On va peut-être même faire un deuxième cabane de pêche. Où c'est qu'on va la mettre? Où c'est qu'on va la mettre? Pour pas interférer avec ici. Alors hop, je le bloque comme ça on a le rond. Ce rond c'est la zone en fait que détermine la pêcherie. Il faudrait éviter de croiser les deux. Ici ce serait pas mal, ça fait un peu loin. Il faudrait qu'on le mette à la limite plus par là. En pointe là. Sur une pointe, c'est pas mal ça. Mais ça, on en revient que ça fait toujours loin. En fait, c'est cette montagne ici qui nous embête un peu. Parce qu'ici, on peut rien mettre. Ouais. On pourrait venir après ici le mettre, mais avec les montagnes là, ça nous bouffe. Ah, ici c'est pareil en fait, c'est... Ah, ce lac il est pas ouf, on n'en avait pas un deuxième, pas trop loin. On va rafficher la carte, hop, donc on a celui-là, ah ouais, l'autre il est bien plus bas. Et ici j'en ai un plus haut, et encore c'est pas un lac top. Alors bah écoutez, pour l'instant on va laisser celui-là. Ouais, j'en aurais bien fait un deuxième. Donc ici j'avais fait du bois dur, on va rajouter peut-être un cueilleur ici. Parce que là on va vraiment manquer de bouffe. On va vraiment... Ah ouais. Hop. Est-ce que ça vaut le coup de le faire là? Je sais pas. Au niveau du bois, on avait quoi? Ici on avait un bloc, ici on avait un deuxième bloc. Et j'avais pas fait de troisième bloc. Ce serait peut-être intéressant à la limite de faire un troisième bloc ici alors. Et de construire notre village un peu plus haut. Ah ah. Dilemme. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire ici. Parce qu'on a quand même du monde. Hein. On a les forestiers avec le bois dur. Le problème du bois dur, c'est que ça prend pas une grosse zone. Et... Alors, ouais, même ici, on... ici, on était comment? Ouais, ici, on prend quand même pas mal de zones. Et encore, ici, là, il y a des arbres qui sont inutiles. On le fait ici, plus bas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Se faire une autre forêt? Non, moi, je voulais ici descendre...
pour faire du pâturage et des champs. Pour qu'il soit le plus optimal possible et le plus efficace possible surtout. Ouais, notre carte. Notre carte, elle nous permet pas de faire grand chose. Je voulais faire des ruches aussi. Bon, ici, on se garde une place pour faire un village, on avait dit. Ici, on pourrait rallonger et faire des champs. Là, on avait fait quoi en pâturage? C'était quoi ça? Des poules. C'est toujours nos poules. On avait que des poules. On avait fait un deuxième pôle. Ici, 63, ici, 49. Ça pousse. Du coup, de la bouffe, c'est important. Une ferme, ouais. Il élève des huîtres, moules et écrevisses. On va faire des moules, c'est pas mal. C'est qu'on pourrait le faire, ça. Ah, il manque pas grand chose, on peut presque le caler dans le trou là. Ah. Si on le tourne. Aïe, aïe. Il nous manque vraiment rien. Ah, peut-être ça ici. C'est pas mal ici. Mais pour l'instant, j'ai pas encore arrangé quelque chose ici, donc on va continuer à tirer cette route. C'est vrai qu'on commence aussi à faire des routes en pierre. On va déjà défricher. On va enlever toutes les ressources qui sont là. Hop. On va commencer à relancer le jeu. Ici, on pourrait encore tirer une ligne droite. Ce style là, venir croiser avec celle là si on ne devrait pas être mal. Par contre les 8 bâtisseurs ils sont où? Ah, on avait mis des choses à construire ici. Ah, les ruches. Ah bah voilà, j'avais oublié, on avait mis deux ruches ici. D'accord, ok. Va falloir vite faire d'autres champs de toute façon, la priorité là. J'ai vraiment peur avec la bouffe. Bon, on a encore un peu de marge normalement, mais attention, quand on a de la marge, on croit que tout est beau, tout est bien, et on se fait avoir. Ici, on va tirer. Est-ce qu'on tirerait pas un champ? Ah, je peux pas le faire sur 11. Ah, à cause d'une case. Alors, est-ce que je peux annuler mon chemin et passer au-dessus, au pire? Allez, on va faire comme ça, supprimer la route. Alors, la route, je l'avais tirée d'où à où? Ça, on l'avait supprimé. Je sais pas si ça m'a pris en compte ou pas. Oui. On va se faire un champ là, 11 sur 11. Il s'arrête là. Bon, on va laisser construire un peu tout ça, déjà qu'on y voit un peu plus clair là-dedans, parce que là... on était comment? Alors, bâtisseur, ok, les fermiers, c'était bon. Hop, les bergers, c'était bon. Bûcherons, ils sont à fond. Les enseignants, alors les enseignants, ouais, 19 élèves. Elle était où, ma grande école? La grande école, elle était où? Ça, c'est l'église. Ça, c'était le menuisier. Je suis sûr que vous devez la voir, moi je la vois pas. La grande école. Bah, c'est une blague. Petit marché. Elle doit être évidente à voir pour vous. Ah, elle est là. 18 étudiants. Je sais pas pourquoi ils me disent de... jusqu'à 3 enseignants. Bon, pour l'instant on laisse. Ok, donc les forestiers c'était bon, les forgerons,
herboriste. Herboriste, herboriste. On va peut-être en mettre deux et on va augmenter la capacité. Parce que je crois que on l'avait mis herbe médicinale à 1000. On va la monter ça. À 2000, on s'en fout. Magasinier, j'en avais 6. C'est largement suffisant. Médecin. Les mineurs. On va peut-être combler les 15 mineurs et les 15 tailleurs de pierre. Voilà, comme ça on a tout rempli. Des métiers partout. Lui, qu'est-ce qu'il nous amène? Alors, quantité, hein, de la bouffe. Ouais. On va peut-être lui prendre quelques trucs. Pain aux noix. On va lui en prendre 1000. On va prendre 1000 pains au fromage. On va prendre 600. Ah non, c'est 6000. Ouais, on va prendre du sorgho, on en a déjà. De la farine. La farine, ce serait bien, mais je sais pas ce qu'il faut. On va prendre gâteau aux fruits. 1000. Voilà, on a 3000 points à distribuer. On va donner un petit peu d'outils. On va donner un peu de manteau en cuir. Des meubles raffinés. On va en donner 20. On va leur échanger avec de la laitue. On va leur filer des figues. Du verre. Ah, on l'a dépassé. 150 verres. Il nous remonte 400. 370. Hop. Échanger. Laisser partir. On a récupéré un peu de bouffe comme ça. Allez, les constructions là, on va mettre des priorités sur les constructions un peu parce que ouais, c'est bon, là ça avance. Ici, on avait. Alors, les ruches. On peut mettre un gars, ok. C'est quoi leur métier à eux? Hop, il est où le symbole? On va le trouver. Apiculteur, 2. On va en claquer 2. Ils vont nous faire du miel. Allez, le champ, bientôt fini. Voilà, au moins on dégage tout ici, là. Du bois. Ouais, j'avais laissé. Wow, on est large. Voilà, on a eu des morts, là. C'est quoi, métier de pêche? Ah, de vieillesse. Ok, bon. Pas vieillesse. C'est normal. C'est la nature. Ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Des cataplasmes. Non. Sable, bois de construction. Ça, on va en prendre de suite. Du bois de construction. Il nous en propose 500. Des outils en fer, on en a des outils, je crois, on en a assez. Voilà, 60 pour l'instant, ça va. Ça va être du bois de chauffage. On doit en avoir assez pour le moment. Alors, on va leur échanger quand même. Bah, du bois de chauffage, voilà. Échanger, laisser partir. Du bois de construction pour pouvoir construire autre chose. Alors, hop, ici, on fout infirmier. Ah, on va commencer. On va mettre des tomates. Des tomates. Et ici, on met notre fermier. On va faire un petit verger aéré ici. 4 sur 15. Ici, on va planter des figues. On va toujours mettre un fermier. Non, j'aurais pas dû le mettre là. On va le démolir. Annuler récolte et construction. Détruire bâtiment. Hop, merci. Je l'ai mis un peu trop près. J'ai pas fait attention. Un verger, on va le décaler. Voilà. De manière qu'on puisse mettre un chemin entre les deux. Ah, du coup, il y a un arbre à faire. Ok. C'est pas grave.
Il y en a qui est au chômage, mais ça, voilà, il l'est plus. On a dit ici des figues. Ok. On va peut-être en mettre un autre à côté. Par 15 ici priorité. Ah ouais, j'ai vraiment peur pour la bouffe là, c'est je préfère qu'on en ait vraiment trop que pas assez, parce que pas assez c'est le fun game hein. Puis bon, on a du monde donc on peut se permettre de mettre du monde en à la bouffe dans les champs et tout hein. Là on va récupérer une bonne quantité de bois. Ok, ici, on va passer en noix de pécan. Crac. On rajoute un mec ici. On va peut-être mettre un hangar ici dans le coin aussi. Lui il va faire des fraises, tiens. Fraises, hop. On va faire nos chemins. Joli chemin. Ça qui gêne, comment pas pourquoi ça gêne des fois. Hop là, ici construction d'une grange, la grange, est-ce qu'on la met là plus dans le milieu, parce qu'on va tirer quelques champs là quand même. On va la mettre là, donc ici on pourrait refaire des vergers. Alors, quatre par 15, et ici, 4 par 15, donc on va mettre notre grange, hop, ici, allez, faites-moi tout ça. Voilà, ça avance, on va refaire pas mal de bouffe. Il va falloir faire des maisons. Et là, des maisons, on va en faire tout le long. Ici, noix de pécan. Un type. Ici, figue. Un type. Hop, hop. Chemin. Hop là. On va continuer nos champs. Allez, un petit dernier ici. Puis on ira voir à la mairie qu'est-ce que ça donne. Si on a réussi à stabiliser un peu. Allez, on est pas mal. Hop. Qu'est-ce qui nous amène? Ah, graines de chou frisé. Oh, dessert. Ah, alors, graines de cotonnier, graines de figuier. Bon, elle les a déjà les figues, non? C'est pas les graines de mûrier blanc. Alors, acquisition, figues. Oui, donc ça sert à rien. Alors lui, je prendrais bien les cerfs, faire un élevage de cerfs un peu. Un élevage de cerfs. Alors. Hop. On va lui prendre les 8, ça va faire beaucoup, non? Ouais, 4800, waouh. On peut peut-être lui en prendre déjà 4 ou 4. 4 parce que j'aimerais prendre graines de châtaignier, graines de maïs. On l'avait le maïs ou pas? De l'huile médicinale, statue de jade, ok. J'avais dit le maïs. Ouais, on a du maïs. Graines de châtaignier. Ouais, châtaigne c'est pas ouf.
graines de chou frisé, ça changerait, mais moi je ouais, j'aurais bien aimé avoir d'autres graines en fait. 4 serres, graines de mûrier blanc, ça c'est pas mal. Ouais, 3000, ouais, ça coûte un bras à chaque fois. Là, ça va nous coûter cher. On va prendre graines de mûrier blanc. Du bois de chauffage, aïe, on a plus trop. On va leur filer 2000 sorgho. 1000 vénaisons. Bon, déjà, ça nous paye notre graine en gros. Ensuite, on va leur filer 800 œufs. Sans laitue, mollo sur la bouffe quand même, 200 herbes médicinales, donc on va pouvoir prendre un cerf de puce, des meubles, il me reste là, ouais, on va foutre 20 meubles, la graine de chou frisé, ouah, ça va nous coûter, mais... Allez, on dépense. Soyons fous. On dépense. 200 verres. 100 cuisses de poulet. 500 plumes. On va y arriver. Hein. On va y arriver. On va y arriver. On va compléter avec 10 outils. 10 manteaux en cuir. 100 de bois. Ah bah ça y est, 100 de bois, on est au-dessus. On va mettre 80 bois. Ici 10. Il nous manque 20. Là, ça va nous coûter cher. On va pas acheter de trucs avant un moment. Échanger. Laisser partir. Alors, tout de suite, construction d'un pâturage. Nouveau pâturage pour nos serres. Alors, ici on va continuer à faire quelques champs. Sur 20. Hein. On avait fait 20 sur 20, je crois, les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Ça va descendre. Et est-ce qu'on peut le caler ici alors du coup? Le 20. Ah! On va pouvoir le caler ici. Hop là. 20 sur 20, on va mettre nos... Ça va nous coûter un peu en ressources, mais on va pouvoir faire dessert. Pas du dessert, dessert. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? On est pas mal. Ah oui, la mairie, je voulais la revoir. Voilà, bon, on a beaucoup de construction d'un coup, hein, mais... Ah voilà, du miel et de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, on va le garder. Le miel, ça fait un peu de bouffe. Ouais, là, excuse-moi mon pauvre, mais même si t'amènes des trucs bien, je crois qu'on va passer un peu parce que... Là, on a pas mal dépensé. Ouais, et puis bon, t'as rien de... Hop, allez. En ressources, mine de rien, à surveiller un peu tout. La mairie. 42 maisons pour 77 familles. Eh ouais, faut faire de la maison aussi, là, on va s'y mettre. Hein. Ça fait deux épisodes, je crois que je dis qu'il faut faire des maisons, on les fait pas. Donc l'année dernière, produit 14, presque 15 000, bouffé 21 000. On va voir cette année. Bon, on s'est mis bien, hein, de toute façon. Ah, hop, ici. J'ai oublié de l'activer.
On avait du maïs, ouais, on a pris quoi là? Du chou frisé. Allez, du chou frisé. Crac. Ici, ça se construit. Ils sont où nos cerfs? Ah, ils sont là. Ils sont encore dans l'enclos. Bon, après, au pire, en bouffe, ce qu'on peut faire, c'est une razzia sur les poules, hein, les réduire. Alors, on a vachement de morts, là, de vieillesse. Les cimetières, ils sont comment? 14 sur 90, ok. On avait un autre cimetière aussi, je crois, là-bas, non? Ah, petite sauvegarde. Ouais, ok. Lui, qu'est-ce qui lui manque bientôt? Ouais, du cuir, comme d'hab. C'est pas grave, ça va arriver. Pas mal. Ça pourrait être pire. Oula, la quantité d'outils en réserve. Alors là, attention. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde, on utilise beaucoup d'outils. Il va peut-être falloir mettre un deuxième forgeron. Assez urgemment d'ailleurs. Parce que sans outils, c'est la misère. Une forge. Ouais, la foutre par là. Ouais, mais. C'est quoi que j'ai là? De la pierre, du bois brut. Et le fer, il est loin. Quoique, j'ai le marché qui est là. Normalement, il y a du fer au marché, un petit peu, ouais. Ouais, je vais tenter de le mettre par là. Celui-là, ouais, celui-là, le dépôt de fer, il est un peu juste. En fait, tout mon fer, il est là. Celui-là, il est rempli. Ici, dépôt de fer, ok. Hop. Là, j'ai du fer et du bois brut. Pourquoi je peux pas, là? On va le mettre là. Une route comme ça. Hop. Hop. Bon, c'est bien développé. On a 115 adultes, 16 étudiants, 21 enfants. On va essayer de stabiliser rapidement la bouffe. Et on va partir sur des maisons, des maisons, des maisons. Ici, on est toujours bien. On a un peu de miel, ça fait un peu de bouffe, mais c'est surtout la cire. La cire d'abeille qu'on va utiliser. Ça aussi, il va falloir le faire, mais il y a tellement de choses à faire, oh là là. Les cerfs, on peut en mettre 25, c'est pas mal. Avec un seul gars. Crac. Ok. Oh là, j'ai fermé ça. Non, c'est... Non, ah, c'est ça. Ok. Moi ici j'aime bien, on va défricher un peu tout ça aussi. Ah, tous les arbres qui traînent. Ici on défriche tout aussi. Ça va faire du boulot. Allez, on va regarder nos serres qui vont directement au pâturage. Ici nos tomates, nos fraises, nos choux frisés. Ok. Ouais, vous voyez la bouffe, mine de rien, on était bien il y a quelques épisodes et là ça diminue. Les herbes médicinales, on en a plus. Il va falloir qu'ils sortent un peu les doigts, les mecs. Ok, vous faites vite des bébés. On en fera un deuxième peut-être à côté, pâturage de cerf, on verra. Je crois que les cerfs donnent du cuir. Les cerfs donnent du cuir et on va en avoir besoin pour nos manteaux. Aïe aïe aïe, ouais, les outils là ça dégringole. Là ça y est, ça c'est fait. On va vite mettre quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'on peut faire comme outil? Outil rudimentaire. Outil en fer. Non, non, on garde les. C'est quoi les. Outils rudimentaires? Ouais, non. Hop.
On va mettre un deuxième forgeron. Toujours faire le point à la mairie. Bon, on a produit 5000, on bouffe 7000, on n'a pas encore récolté. Je pense qu'on va être un peu mieux, hein, niveau... Alors, on a quoi? Du combustible amélioré. Alors, on va faire un petit point d'ailleurs dans les stocks. Combustible amélioré, on en a 1000. Ok, on va peut-être en mettre un petit peu. Ah bah, il y en a déjà un petit peu, on va l'augmenter un petit peu alors. On va pouvoir en mettre 250 ici. Et ici... Voilà, 1200. Ouais, ici, on touche pas. Ah si, bah. Ah non, c'est lui qui veut nous en échanger, d'accord. Des outils en fer. Hmm. Outils en acier. Ah, ça coûte un bras, ça. Ça coûte un bras, mais on va en prendre un petit peu. On va laisser ça. Donc on va prendre 40 outils comme ça. Hop. Pas mal. Pièces de navire, elles nous serviront plus tard. Allez, ça, on a récupéré un peu d'outils. Qu'est-ce que je voulais voir du coup? Ouais, les outils, on était encore. Décidément, ça fonctionne bien. Ah oui, j'étais dans l'inventaire, c'est vrai. Alors, des verres de soie. Ah, ça, ce serait pas mal. Ça ferait... Non, non, non. J'avais dit qu'on arrêtait tout. Là, il faut vraiment qu'on fasse... des maisons. Bon, après c'est que de la bouffe, pain au fromage machin. Bon, pour l'instant laisse partir et on regarde ce qu'on a vraiment en stock, en beaucoup qu'on peut. Du bois de chauffage, il nous en reste 1970, d'accord. Des betteraves sucrières, on en a au taquet. Betteraves sucrières, hop, on va en mettre 2000 ici. On va en mettre 2000 ici. Ensuite, les meubles raffinés, on en a plus. Les oignons, la pierre, ça on garde. Les noix de pécan. Ouais, on n'est pas ouf, hein. En... Après, on a dépensé beaucoup, hein, donc. Bois brut. Ok, bon, pour l'instant. Allez, on va faire quelques maisons. Maison en pierre, toujours. Maison en pierre. Hop. Ah. On va faire 1, 2, 3, 4. Hop. Vous voyez, hein, déjà on avait pas mal de travailleurs entre les morts à remplacer et tous les nouveaux métiers là qu'on vient de mettre, enfin tous les nouveaux champs, tout ça. Bah, mine de rien, là on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a déjà bouffé 8 personnes ici. Donc on a récupéré des nomades, mais comme vous voyez, ça va très très vite. Hein. Lui, il lui manque des choses. Il lui manque quoi? Du bois dur. Ça va arriver. Le bois dur. En plus, les maisons ici, c'est bien. Ça évitera qu'ils fassent trop de voyages. Là, ça ramasse, ça récolte. La mairie. Vu qu'on récolte, ça donne quoi? Hop. On arrive à être un peu au-dessus pour le moment. Les maisons, ça se construit. Ici, on est toujours à 6 serfs. Alors, la reproduction, c'est un peu plus long. J'espère que les 6 vont pas mourir et qu'on va l'avoir dans le tchoul, hein, parce que... Ok. Bon, ici, première année, 620. 414. 646, ok. Faire un point un peu. Bon, ici, on est au max. Ici, pas tout à fait... Voilà, betterave sucrière, c'est un truc de ouf.
Est-ce qu'il les mange? Est-ce qu'il mange de la betterave sucrière au moins? Oui. Ça va. Allez, des maisons, des maisons. Ah, vous voyez déjà, 31 ans, 31 ans. Ils ont toujours pas de gosses, c'est vieux. Hop. Tire un peu ici. On va refaire des maisons. Sur pause parce que j'ai les bateaux qui arrivent, j'ai les bateaux un peu partout, on s'en est pas occupé. Hop, ici. Bois de construction, on en a encore. Pour l'instant on le garde. Ouais, le bois de construction, 125. On va pas en acheter trop non plus. Des outils en acier encore, ouais mais non, en outils on est pas mal là. Ok, on te laisse partir. Un deuxième qui arrive, je crois. Il n'y avait pas un deuxième bateau qui arrivait? Si, il est là. Allez, un berger encore qui est mort. Un accouchement, ouais. Du tea et du tabac pour pipe. Non, ça nous intéresse, pas pour le moment. Bon, là, on bouffe de la pierre au taquet. Va falloir récupérer de la pierre. Hein. Ah. Ici, il y a pas mal de ressources. On va tout dégommer. Dès que les maisons seront construites. On aura déjà rajouté 7 maisons, c'est pas mal. Il va falloir encore en faire, là. On va faire des maisons partout, là. Ok, ok, ok. Voilà. Allez, ça travaille. Bon, comme je vous avais dit, on allonge un peu les épisodes, hein, du fait que je réduise le rythme des sorties des vidéos. J'avais dit qu'on ferait des vidéos plus longues. Au lieu de 20 minutes, on va tirer sur les 40 minutes, c'est déjà pas mal. J'espère que ce nouveau format ne vous déplaît pas. Je sais pas s'il vous plaît, mais surtout, ce que je veux, c'est qu'il ne vous déplaise pas. C'est que j'ai pas trop le choix avec l'emploi du temps, hein, comme je vous avais dit. Donc bon. Ah, je pense que c'est bien au final, parce que ça fait des vidéos de 40 minutes, on allonge les vidéos. Moi ça me laisse un peu plus le temps de jouer, de prendre un peu de plaisir de jouer au lieu de rusher les vidéos les unes derrière les autres. Ok. Allez, la dernière maison, pim. Voilà, vous voyez là les fermiers, normalement, fermiers, bergers, travaillent tous ici. Ici, c'est pas rempli, ça va. Ok, on fait un point bouffe. Bon, on a repris le dessus un peu. Déjà, on a reconsommé que 15 600 et on a produit 17 000. Donc déjà, on reprend un peu le dessus. C'est pas mal, mais c'est pas encore ouf. Peut-être refaire un champ ici. Quoique ici on a un peu de place pour faire autre chose en fait. Ouais mais est-ce que... Pour l'instant ici on n'y reviendra pas trop non plus. On a dit 11. Par 11. Ah ! Il faut les coller. Ou alors en dessous. Par 11. Ah, des nouveaux travailleurs, des étudiants, ok. Alors, on bloque un peu là en fait au niveau des enfants, étudiants. Faut vraiment construire des maisons afin de relancer un peu tout ça. Ah, ça y est, eux ils ont eu des enfants. Voilà, impeccable. Il était temps parce que. La carrière.
Combien nous ramène de pierres par an? 149. Ok. Lui. Bon, du fer, on commence à être bien hein, en fer. Hein. On commence à vraiment pas être mal en fer. Ce qu'on ferait pas d'ailleurs un. Hop. Et un dépôt de pierre. Petit dépôt de pierre ici, tiens, à côté de la maison. De manière hein, de. Ah. Hop. Donc on va faire tiens, un peu de maïs. Ici, on va refaire la tomate. J'aime bien la tomate. 1, 2. Hop, ici on réduit. Quoique, on réduit. On va reconstruire des maisons là donc. Je sais pas où on va les construire. Maison. On va en mettre ici. Ouais. 1. Voilà, 4 maisons. Et après on va se calmer parce que déjà 2, 4, 6, 8, 10, 11 maisons d'impète, attention, faut se méfier, faut pas non plus toutes les construire d'un coup. Parce qu'on va avoir une explosion de bébés là, vous voyez, tout le monde fait des bébés. Hop, on va mettre un peu plus de travailleurs. Afin de nous plier les maisons rapidement. Ah, il s'arrête pas là. Bon, bah écoutez les amis, on est pas mal. On va attendre le bateau et puis on va se laisser au bateau. Ah bah... Décidément. Toum-toum. Du rhum. Chocolat. 20 et hydromel. Non, pour l'instant. Des citrons. Ils sont jolis. Citrons, gingembre, pomme, avocat, orange. Chou-fleur, des cookies. Des poireaux. Tiens, on va prendre des poireaux. Échanger, laisser partir. Bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie à tous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.